Monsieur le Président, l'article 194 du Code pénal guinéen, qui correspond à l'article 7, parce que cet article n'a fait que reprendre les dispositions du statut de Rome, cet article dit constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance des causes de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, empoisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide. Disparition forcée de personnes, crimes d'apartheid, autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Des dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Monsieur le Président, pour qu'il y ait crime contre l'humanité, il faut trois éléments. Un élément matériel, un élément contextuel et un élément intentionnel, qu'on appelle également élément psychologique. Élément matériel, Monsieur le Président, ce n'est pas compliqué, c'est ce que nous venons de citer tout à l'heure, c'est-à-dire les cas de meurtre, les cas de torture, les cas de violence sexuelle. Ces cas-là, lorsque ces cas-là sont perpétrés dans un contexte généralisé ou systématique contre une population civile, Monsieur le Président, même si c'est une seule de ces infractions qui a été commise, on parle de crime contre l'humanité. Une seule infraction, parce que les différentes infractions qui sont énumérées, Monsieur le Président, ne sont pas des infractions cumulatives. Une seule de ces infractions commise dans un contexte systématique et généralisé s'appelle crime contre l'humanité. Le cadre contextuel, Monsieur le Président, on l'a déjà dit, c'est l'attaque généralisée, l'attaque systématique, dirigée contre qui? Contre une population civile. C'est ça, crime contre l'humanité. Et si on analyse ce qui est arrivé le 28 septembre, Monsieur le Président, ceux-là qui ont été au stade, ceux-là qui ont été victimes de ces faits crapuleux, odieux, abominables, Monsieur le Président, n'étaient-ils pas de la population civile? Et ceux-là qui ont pris des armes au camp Alpha Yaya, qui sont embarqués dans les véhicules, qui sont venus, Monsieur le Président, étaient-ils des civils? Non, des militaires. Les hommes armés, Monsieur le Président, qui sont venus, qui savaient pertinemment que c'est une population civile qui est au stade. Et quand ils sont arrivés, Monsieur le Président, ils ont massacré. Après cet élément contextuel, Monsieur le Président, c'est l'élément intentionnel. Je m'adresse aux hommes de droit. Tout le monde sait, on n'a pas besoin, Monsieur le Président, de faire une philosophie ou une théorie interminable de droit. Ceux auxquels nous nous adressons, Monsieur le Président, savent de quoi nous voulons parler. L'élément psychologique, Monsieur le Président, il suffit simplement que la personne qui est en train de perpétrer ces faits-là se mette à l'idée, effectivement, je suis en train de perpétrer une population civile.
Aussi, Monsieur le Président, les différentes infractions qui ont été perpétrées, donc des infractions dont chacune constitue un crime ou des crimes contre l'humanité, ces infractions donc qui ont été perpétrées au stade avant le 28 septembre, le jour du 28 septembre et après le 28 septembre, ces infractions ne sont autres que le meurtre, le viol et autres formes de violence et agressions sexuelles, esclavage sexuel, la torture et autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, également la privation grave de liberté physique et les cas de disparition forcée. Voici les infractions, Monsieur le Président, qui, isolement prises, constituent des crimes contre l'humanité qui ont été commises le 28 septembre, avant le 28 septembre, le jour du 28 septembre et après le 28 septembre, Monsieur le Président. Le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Et la loi dit que le meurtre est puni à la réclusion criminelle de 30 ans. Et lorsque le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Les cas de meurtre, Monsieur le Président, qui ont été commis au stade, est-ce que ces cas-là n'ont pas été commis concomitamment avec d'autres infractions? Ou est-ce que ces cas de meurtre-là n'ont pas été précédés par d'autres infractions? Est-ce que d'autres infractions n'avaient pas suivi, Monsieur le Président? À vous d'analyser, nous savons que vous êtes une composition aguerrie. Vous comprendrez qu'il s'agit des cas de meurtre aggravés qui ont été commis au niveau du stade. Il y a donc l'élément matériel, on l'a déjà dit, c'est un comportement. L'élément matériel, c'est le comportement, le résultat et le lien de causalité entre le comportement et le résultat obtenu, Monsieur le Président. L'élément moral, il y a ce qu'on appelle le dol général. Il faut une double exigence, dol général, dol spécial. Dol général, c'est le fait de savoir effectivement qu'on est en train de violer la loi. Et dol spécial, c'est le fait de donner la mort, ce qu'on appelle en latin l'animus necandi. Je les regarde en face, Monsieur le Président, parce que c'est que ce sont des professeurs de droit, ils savent de quoi je parle. On n'invente rien, ce que nous disons, c'est ce qui existe. Bien, Monsieur le Président, également, on l'a dit tout à l'heure, qu'il peut arriver, et lorsque le meurtre est donc commis dans les cas que je viens de citer, hein, il va s'appeler meurtre aggravé, et la peine qui doit être infligée, c'est la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, également, il y a eu des cas de viol, plusieurs cas de viol et autres formes de violence et agressions sexuelles qui ont été commis au stade. Et après le stade, Monsieur le Président, des femmes ont été violées. Ça a été rappelé ici plusieurs fois. Les chiffres que nous venons de donner, Monsieur le Président, attestent qu'effectivement, des cas de viol ont été commis au stade. Et pour la caractérisation de cette infraction, il y a bien sûr l'élément légal. Déjà, c'est un cas, les cas de viol ont été commis dans un contexte généralisé et systématique, donc prévu et puni par les dispositions de l'article 194 du Code pénal, mais également, Monsieur le Président, les cas de viol sont prévus par les articles 267, 268, 269 du Code pénal guinéen. Et lorsque ces cas, Monsieur le Président, ont entraîné, par exemple, la mort de la victime ou que ces cas de viol ont été perpétrés sur une personne vulnérable, Monsieur le Président,
naturellement, le cas peut être aggravé. Et lorsque ça a entraîné la mort, la peine qui doit être prononcée, c'est bien sûr la peine de mort. C'est impossible, Monsieur le Président. Nous savons tous, et c'est bien constant dans ce dossier, que ce n'est que 7 ans après les faits qu'on a adopté le nouveau code pénal qu'on veut, n'est-ce pas, faire rétroagir dans cette procédure. C'est du vrai Ronaldo dans le droit. C'est faire le vrai Messi dans la procédure pénale en pensant qu'on peut renverser la pyramide, on peut faire fi aux considérations scientifiques qui doivent guider la conduite de tout le monde ici pour faire porter la responsabilité des crimes à un homme qui ne mérite pas. Monsieur le Président, je l'ai rappelé ici, quand la question a été posée, pour dire à nos voisins d'en face que le code pénal du 26 octobre 2016 est une loi de fond. Ce n'est pas une loi de procédure. Maître Lansiné Sylla, mon brillant et talentueux professeur du cours de procédure pénale, me l'a enseigné. Les lois de procédure sont d'application immédiate, mais les lois de fond ne sauraient rétroagir. Ils ont reçu les mêmes cours de droit. Ils enseignent d'ailleurs les mêmes cours de droit. Mais puisque c'est le procès des événements du 28 septembre, il faut trahir ce qu'on a l'habitude d'enseigner aux étudiants pour créer un droit pénal spécialement pour ce procès. Monsieur le Président, dans ce dossier, il est important de rappeler qu'on ne doit pas faire le tailleur. Lors du procès de Ahmed Kanté, procès au cours duquel j'ai découvert Maître Dina Sampil dans son élégance, dans son art oratoire, il a rappelé Maître Abdoulaye Wade, qui a été un de leurs formateurs à Cheikh Anta Diop, qui, pendant la dernière année de fac, leur a dit que vous serez catégorisés en deux groupes. Un groupe sera constitué des juristes tailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui interprètent la loi ou l'appliquent en fonction des justiciables ou ceux qui leur font face, et les juristes purs qui font application de la loi à travers la science, à travers les règles objectives, à travers les principes, qui ne tiennent pas compte de la couleur, de la tête ou de l'appartenance communautariste ou quoi que ce soit, de la personne ou du justiciable en face. Ils restent scientifiques. Dans ce dossier, nous avons affaire avec des tailleurs. Du côté des partis civils, on taille sur mesure. Du côté du ministère public, on est en train de tailler le droit pénal sur mesure, Monsieur le Président. Et je pense que le tribunal ne succombera pas à ces pièges. Monsieur le Président, l'article 6 du code pénal, loi de fond, vous dit ceci. Sont seuls punissables les faits constitués d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. C'est le code qu'ils sont en train d'invoquer qui parle comme ça. Sont seuls punissables les faits constitués d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en foi de juge jugé lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici,
on nous enseigne dans le code pénal que les infractions qui n'étaient pas en vigueur à son entrée en vigueur ne peuvent pas, n'est-ce pas, être poursuivies sur la base de ce code. Mais on vous dit en même temps que si la loi nouvelle a prévu des peines douces, on peut, n'est-ce pas, appliquer la nouvelle loi. Mais ce n'est pas dans le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce. On vous parle ici de responsabilité de commandement, de supérieur hiérarchique ou chef militaire, de crimes contre l'humanité. Est-ce que ces infractions étaient incriminées dans la loi du 31 décembre 1998, l'ancien code pénal? Non. J'ai entendu ici le procureur Sidiki, dans ses œuvres, en train de vous dire qu'au nom de ce principe, on peut invoquer l'application du nouveau code pénal. Nous n'en voulons pas, monsieur le procureur. L'article 7 du même code ajoute ceci. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Sont applicables immédiatement. Les exceptions. Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Nous n'avons pas affaire avec une loi de compétence ou d'organisation judiciaire quand on parle de crimes contre l'humanité ou de responsabilité de commandement. Non. Les lois fixant les modalités et les formes de poursuite, ce n'est pas non plus le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous savons quand même, à l'entame de cette procédure ou bien avant, à l'initiative du garde des Sceaux, plusieurs lois ont été votées dans le cadre du jugement de cette affaire. Mais nulle part, on a consacré une norme qui fait échec à l'application du principe de l'égalité des délits et des peines. Monsieur le Président, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle incrimination fut-elle imprescriptible, ne permet pas de poursuivre de manière rétroactive sur la base du code pénal de 2016 les faits commis 7 ans auparavant. Ce n'est pas possible. En clair, et je l'ai dit, je le réitère, les infractions réclamées par le ministère public n'étant pas incriminées à l'époque des faits, cette demande de requalification doit être purement et simplement rejetée. Monsieur le Président, à ce propos, même si on veut se moquer de ces grands magistrats qui ont dit le droit et qui sont à respecter, l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par cette grande dame de la justice, Madame Irène Marie Adjimalis. Cet arrêt nous a enseigné ceci. Je cite. La requalification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de l'égalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 et 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut
que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Vous le verrez à la page 12 de cet arrêt. Monsieur le Président,